Bonjour à tous. Alors cet après-midi, je vais vérifier le jeu dans les biellettes à l'arrière. Donc côté gauche, là c'est bon, il n'y a pas de jeu. Si je passe de l'autre côté, à droite. Donc là je me rends compte qu'il y a du jeu, partie basse. Ici, là. Voilà, donc là il faut que je le change. Donc je vais changer les deux en même temps, bien sûr. Alors, je commence par mettre un peu de dégrippant sur la partie haute et sur la partie basse. Pour le démontage, il faut une clé à œil de 16 mm, alors si c'est les biellettes d'origine, et puis une clé Torx T25 pour maintenir la rotule. Donc ça se défait plutôt bien. Là, ça va. Voilà, je peux la retirer. Et maintenant, de ce côté-là, donc c'est avec les mêmes clés, bien sûr. Là, c'est moins facile parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ou alors faudra aller carrément sous la voiture. Et voilà, je peux enlever la biellette complètement. Donc si je regarde là, le soufflet en bas, bon, il est abîmé mais il n'est pas percé. Par contre, la rotule à l'intérieur est complètement souple. C'est pas beaucoup mieux en haut, un peu plus dur. Mais bon. Donc je compare avec la nouvelle. Je vais fixer les bonnes dimensions, donc elles se ressemblent fortement. Ça va être bon, je connais plus la marque là que j'ai commandée. Alors déjà, je vais vérifier les clés. Là, c'est pas du 16. Il faut une clé à œil de 17. Et puis pour le torx, c'est pas du 25. J'essaye le T30. Oui, T30, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre. Donc là, il n'y a pas de sens, hein, au bas, d'un côté comme de l'autre. Donc là, on le sent bien, elles sont plus fermes. Voilà, là c'est bon. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les écrous. Là, je peux serrer avec le cliquet, ça ira plus vite. Et puis finalement, j'ai pas besoin de la clé Torx. C'est suffisamment dur. Alors, j'ai une petite clé dynamométrique, mais ça va pas aller parce que son couple maxi est inférieur à 7 dN. Donc j'ai pris la grosse, mais la grosse, le manche est bien long et ça passe pas au niveau du pare-boue. Donc j'arrive à la mettre, mais je peux pas serrer en fait.
que je vais faire, c'est que je vais serrer avec ma clé à œil à l'expérience. Maintenant, j'ai plus de jeu du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.